c'est ce qu'on appelle le chant du diamant. Et donc une des choses enfin, pour lesquelles j'ai fait ce métier, entre autres, c'est ce bruit-là, c'est ce son-là qui me plaît beaucoup. J'ai créé mon entreprise de création en verre il y a maintenant 8 ans. Je me suis installée à Mauzé-sur-le-Mignon, mais en 2013, je suis arrivée à Coulon. Je suis maître verrier, je crée des vitraux au plomb et je fais également des créations en verre fusionné, c'est-à-dire avec le four. Et je cuis les pièces de verre à 800 degrés. Je travaille essentiellement pour les particuliers, mais éventuellement les collectivités. Actuellement, je suis en train de faire une restauration, un vitrail qu'ils ont envie de transformer pour mettre au plafond sur une plaque de verre. Il s'agit pour moi d'enlever les pièces de verre cassées et de les redécouper dans des pièces de verre identiques. Donc là, je trace mon gabarit directement sur le motif et je vais découper. Une autre de mes passions, c'est aussi de transformer le verre à chaud, mais cela dans un four. Il s'agit de mettre deux plaques superposées qui vont se fusionner, qui vont cuire ensemble. Et de cette technique, je fais donc des bouteilles fondues, je fais du recyclage, mais je fais également des bijoux, je fais des créations comme les hublots, des choses que je mets entre deux verres. Je propose également une activité parallèle qui sont des animations. Avec les petits, on fait des ateliers de verre non coupant, donc ils font des petits tableaux d'environ 15 sur 15 et après les adultes vont créer carrément un vitrail qui va être installé chez eux.